Salam alaikum rahmatullah, si vous m'entendez. Alhamdulillah. Naam. Donc, Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina min siyyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, man yudlilhu fala hadiya lahu. الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد نعم Marhaban bikoum en cette soirée du lundi 28 Jumad al-Oula 1429 de l'Hégire. C'est-à-dire lundi 2 juin, jour avec la personnalité de la musulmane bi-idhni azzawajal. Naam. Et nous sommes avec le chapitre son comportement vis-à-vis de ses voisins. On n'a pas encore terminé Naam. Ce chapitre bi-idhni Allah azzawajal. Nous sommes aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, à septièmement. Naam. Septièmement. Une seconde. Naam. Septièmement, la mauvaise voisine est privée de la vraie foi. Naam. Septièmement, la mauvaise voisine est privée de la vraie foi. Naam. Je vais essayer de... Est-ce que ça s'est affiché chez vous? La mauvaise voisine est privée de la vraie foi. Alhamdulillah. Il a dit ici, Cheikh Rahimahullah, Hafidahullah, les traditions authentiques décrivent l'existence sombre et le sort malheureux de la mauvaise voisine. En contemplant ces textes, une musulmane pieuse et raffinée redoute et en s'évertuant à l'éviter, elles redoutent la terrifiante destinée de celles qui maltraitent leurs voisins, tout en éprouvant des sentiments de mépris et de répugnance vis-à-vis de leur comportement. Ces traditions, c'est-à-dire la sunna bien sûr, nous apprennent en effet que la mauvaise voisine est privée du bienfait le plus important dans la vie de l'être humain, c'est quoi? La foi sincère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam affirme en termes clairs qui n'admettent aucune interprétation restrictive que celui qui fait du mal à son voisin est privé de la foi. Il le répéta même à trois reprises. Il a dit « Par Allah, il ne croit pas. Par Allah, il ne croit pas. Par Allah, il ne croit pas. Qui donc ?» lui demanda-t-on. Il répondit « Celui dont le voisin craint les méfaits. » Naam. Voir, Naam, Sharh Nawawi, Riyad Salihin, page 185. Hadith authentique. Je répète, qu'est-ce qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, non seulement il a dit, mais il a juré. Il a juré. Il a dit, « Par Allah, il ne croit pas. Par Allah, il ne croit pas. Par Allah, il ne croit pas. » On lui a dit, « Qui donc, ya Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam ?» Il a dit, celui dont le voisin craint les méfaits. C'est-à-dire, pour que tu comprennes cela, s'il y a un voisin qui a peur de toi, ça veut dire que le hadith s'applique à toi. S'il y a un voisin qui a peur de toi, qui a peur de tes problèmes, ça veut dire que tu es rentré dans ce hadith, Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous en préserve. Et ce genre-là, il y en a beaucoup. Beaucoup de gens ont peur de leurs voisins. Non, ils savent que ce sont des gens vraiment violents, vraiment qui font le mal.
Allah Ta'ala nous en préserve. Dans une autre version de Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'accédera pas au paradis celui dont le voisin craint les méfaits. Voir hadith bien sûr rapporté par Muslim, voir Sharh Sahih Muslim volume 2 page 17. Qu'a dit sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit: n'accédera pas au paradis celui dont le voisin craint les méfaits. Donc nuire à son voisin n'est pas un acte anodin ou pardonnable, c'est un grand péché, puisqu'il prive celui qui le commet de la foi au paradis dans l'autre. Naam. Comme ça a dit Naam, l'auteur, et bien sûr il s'est basé sur l'apparence des hadiths. Moi je voudrais dire à mes frères et mes sœurs que à chaque fois qu'il y a un hadith authentique qui dit que telle et telle personne ne rentrera pas au paradis et telle chose, Naam, Ahl Sunna ou Jama'a disent ce hadith doit être expliqué, ou bien ces hadiths doivent alors être expliqués d'une des deux façons pour ne pas être en contradiction avec les versets, avec d'autres hadiths. Comment qu'on explique les hadiths qui apparemment disent que X ne rentrera pas au paradis, ou le quiconque des croyants fait ceci cela ne rentrera pas au paradis? Il faut dire que ou bien le sens du hadith c'est pour celui qui nie le jugement d'Allah Ta'ala. C'est-à-dire par exemple ici dans ce cas, si à quelqu'un on lui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il ne faut pas faire du mal aux voisins, etc., il dit non, je nie cela. Non, c'est pas vrai. Alors celui-là, bien sûr, il est devenu kafir. Il ne va pas rentrer au paradis. Non. Et la deuxième explication, ils ont dit, si il ne nie pas, alors ça veut dire il n'ira pas au paradis avec les premiers. C'est-à-dire quand les gens commencent à rentrer au paradis, lui il ne va pas y accéder jusqu'à ce que il doit passer par l'enfer. Non. Sauf si Allah Ta'ala lui pardonne. Et malgré cela, il ne rentrera pas au paradis, puisqu'il doit attendre jusqu'à la fin pour savoir s'il va aller en enfer ou s'il va rentrer, s'il va aller en enfer, Naam, ou bien s'il va rentrer au paradis avec les derniers. C'est quand les hadiths où il y a quiconque, Naam, croit en Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jal, au jour du jugement dernier, Naam, s'il fait cela, il n'ira pas au paradis. C'est à peu près comme le hadith de la femme qui se dévoile. Où il dit qu'elle n'ira pas au paradis. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'elle n'ira pas si elle nie. Elle dit le fait de se voiler n'est pas obligatoire. Ou bien alors, elle ira, mais pas avec les premières qui vont rentrer. Naam. Après qu'elle passe par Jahannam, ou bien qu'elle attende pour voir si Allah Ta'ala va lui pardonner. Ça, c'est quelque chose de très important qu'il faut savoir dans les hadiths, leur explication. Et ça a un grand rapport avec la aqida, bien sûr. Il a dit ici, ces jugements irrévocables devraient inciter toute musulmane sincère à faire tout son possible pour éviter le sort abominable. C'est maintenant que nuire à ses voisines, se quereller avec elles, ou opter pour une logique d'hostilité et de ruse vis-à-vis d'elles, n'est pas un péché véniel, mais un péché majeur qui détruit sa foi et remet en cause son salut même dans l'au-delà. Ici il a dit qu'il détruit sa foi, et moi je veux dire mieux que détruit, je veux dire qu'il réduit sa foi, qu'il réduit et non pas détruit, car s'il la détruit elle devient kafira. Qui réduit sa foi Naam, et remet en cause son salut même dans l'au-delà. Naam, j'oublierai pas de dire ici que chaque qui fait telle et telle chose n'ira pas, ça veut dire que s'il fait cette chose, il a fait un grand péché. Ça, c'est un autre intérêt que vous devrez comprendre. Chaque hadith où il y a quiconque fait cela et cela n'ira pas au paradis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quiconque fait ce péché, il a fait un grand péché. Donc il dit ici,
Ce sort représente un malheur terrifiant qui devrait donner à réfléchir à toute musulmane sincère et la dissuader de tout comportement susceptible de l'y conduire. Huitièmement, attendez une seconde, je vais donner un fichier à quelqu'un pour que ce soit lui, Inch'Allah Ta'ala, qui mette les titres. Une seconde, Inch'Allah Ta'ala. Ibn al-Wasmak, al-Ghuraba, dis-moi si tu reçois mon fichier. Al-Ghuraba, dis-moi si tu reçois mon fichier. Attends d'abord que je cherche où tu es pour t'envoyer un fichier. Je dois chercher où tu es, Inch'Allah Ta'ala. Attends une seconde. Al-Ghuraba, je t'ai pas trouvé. C'est bien maintenant. Une seconde. Seconde. Maintenant, huitièmement, les bonnes œuvres de la mauvaise voisine sont vaines. Non. Les bonnes œuvres de la mauvaise voisine sont vaines. Huitièmement, je répète, les bonnes œuvres de la mauvaise voisine sont vaines. La foi est la base. La foi est la base et le support de toute œuvre. Elle n'est pas une simple déclaration qu'on prononce, mais l'exécution scrupuleuse de ce que Allah Ta'ala a prescrit. Quand on perd la foi, aucun acte, aussi excellent et important soit-il, ne contribuera à notre salut, car il n'aura aucune valeur et ne sera nullement pris en considération par Allah Azzawajal. D'où la perdition de celle qui persiste à nuire à ses voisins, même si elle passe la majeure partie de sa vie à accomplir les bonnes œuvres. Il a dit ici, aucune de ces bonnes actions ne sera accueillie favorablement de la part d'Allah Azzawajal. Non. Et c'est donc d'après lui, yani, la mauvaise voisine, yani, elle est presque devenue kafira d'après lui. Mais nous, on dit, et non pas, ça la détruit. Et non pas, ça la détruit. Mais elle fait un grand péché. Elle fait un grand péché. Non. Regardez ici, quand il a dit, la foi de toute bonne œuvre. Non. Il a dit, quand on perd la foi, aucun acte, aussi excellent et important soit-il, ne contribuera à notre salut. Car il n'aura aucune valeur et ne sera nullement pris en considération par Allah Azzawajal. Ça, c'est vrai. Quand quelqu'un perd sa foi, non, même s'il fait toutes les meilleures actions du monde, non, elles ne seront pas acceptées. Et comme a dit Allah Ta'ala dans le Coran, non, Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. Tawbah 54. Il a dit, et ce qui a empêché leurs dons d'être acceptés, c'est le fait qu'ils ont mécru en Allah et en son messager. Celui qui mécroit en Allah Ta'ala et en son messager, même s'il donne tout l'argent du monde, il ne sera pas accepté. Même s'il construit toutes les mosquées du monde, ça ne sera pas accepté jusqu'à ce que il croit en Allah Azzawajal, en son messager. Et ça rappelle aussi le verset de sourate An-Nur, page 39, où Allah Ta'ala dit: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. C'est-à-dire le verset 38 sourate An-Nur, où Allah Ta'ala dit, quant à ceux qui ont mécru, leurs actions sont comme un mirage dans une plaine désertique, que l'assoiffé prend pour de l'eau. Puis, quand il y arrive, il s'aperçoit que ce n'était rien. Et il trouvera Allah Azzawajal qui lui rendra son compte. Non. Donc, celui qui mécroit, non, quand il fait des actions, c'est comme un mirage. Vous connaissez le mirage, quand quelqu'un
Et en plein désert, et il a vraiment, vraiment soif, il regarde comme ça devant lui, il voit comme des petites baies. Il voit comme ça, comme des petites piscines, etc. Il croit que c'est de l'eau. Je vais m'approcher pour voir, je vais m'approcher de cette eau pour boire. Quand il arrive à l'endroit où il a cru que c'était de l'eau, qu'est-ce qu'il va trouver? Il a dit, il ne va rien trouver. Au contraire, il mourra, car il trouvera Allah Azzawajal, il trouvera Allah Azzawajal qui lui réglera son compte, qui lui réglera son compte. D'ailleurs, que les bonnes actions des kuffars ne soient pas acceptées, c'est très clair chez nous dans le Coran Sunna. C'est aussi comme dans le verset de Furqan, verset numéro 23, où Allah Ta'ala dit, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. C'est le 23e verset du sourate Furqan, à peu près en français. Qadimna, et on est allé à ce qu'ils ont fait, à ce qu'ils ont fait, c'est dans cette dunya, ils parlent des kofars, et on l'a rendu poussière. On l'a rendu poussière. Et vous savez que Allah Ta'ala est tellement juste que quoi? Que quand le kafir fait ici les bonnes actions, qu'est-ce qu'il lui fait? Il lui donne en revanche, comme c'est dans le hadith authentique, il lui donne le bien, il lui donne des enfants, il lui donne de l'argent, il donne l'âme, la santé, et comme ça, il le remplit de bien de la dunya. Et quand il rencontre Allah Azzawajal, il va trouver quoi? Allah Azzawajal nous en préserve. Et je dirais aussi autre chose, Allah Ta'ala est tellement juste, Allah Ta'ala est tellement juste que le kafir qui fait dans cette vie les bonnes actions, il fait les bonnes actions, si jamais il rentre en islam, Allah Ta'ala va lui faire changer toutes les nam, c'est-à-dire toutes les bonnes actions qu'il a faites et qui ne comptaient pas bien sûr, elles vont commencer à compter. Subhanallah, ça c'est vraiment la grâce d'Allah Azzawajal. Le kafir, quand il fait maintenant les bonnes actions, il les fait, bien sûr, elles ne sont pas acceptées, car il manque quoi? Il manque la condition de la foi. Mais dès qu'il rentre en islam, toutes ses actions vont être comptées pour lui, masha'Allah Azzawajal. Sauf bien sûr, si c'est des actions comme le hajj, comme par exemple le salat, elles ne sont pas acceptées. Pourquoi? Parce qu'elles ne remplissent pas la condition. Mais s'il fait des aumônes, etc., et il rentre en islam, elles vont compter bi'idhnillah azza wa jal. Il a dit, en rapportant ce sujet, que quelqu'un dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, ô messager d'Allah, une telle passe la nuit à prier et jeûne pendant le jour et fait l'aumône, et cependant elle offense ses voisins par des propos nuisibles. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam répondit alors, elle n'a aucune mérite, elle fait partie des gens de l'enfer. On lui dit alors, par contre, telle femme n'accomplit que les prières obligatoires et ne fait aumône que de morceaux de lait caillé. Cependant, elle n'offense personne. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam de répondre, elle fait partie des gens du paradis. Elle fait partie des gens du paradis. Hadith rapporté par Bukhari dans Adab al-Mufrad, volume 1, page 210, et vous trouvez dans Silsila Sahiha de Sheikh Al-Albani, page 190. Je répète ce hadith tellement il est important. Je répète ce hadith tellement il est important. Qu'est-ce qu'on a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam? On lui a dit, une telle, on l'a cité, une telle passe la nuit à prier. Regardez, subhanallah, qiyam-le, là. Qiyam-le, c'est pas tout le monde qui se lève la nuit et jette la couverture et va faire la prière. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire cela. Celle-là, elle passe la nuit à prier et elle passe la journée à jeûner. Et elle fait l'aumône, Allahu Akbar. Et elle fait telle et telle bonne œuvre. C'est pas seulement ça. Cependant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle offense ses voisins par des propos nuisibles. Qadi alayhi salam, il a dit, elle n'a aucun mérite. Elle fait partie des gens de l'enfer. Allahu Akbar. On lui a dit alors, par contre, telle femme ne fait que les prières obligatoires, c'est tout. Et
ne fait l'aumône qu'en donnant quelques petits morceaux de lait, de lait caillé. Cependant, qu'est-ce qu'elle a? Elle n'offense personne. Alors, le messager d'Allah a dit, elle fait partie des gens du paradis. Subhanallah al-Azim. Donc, c'est vraiment grave. Donc, ça ne veut pas dire qu'une personne, si elle fait la prière de la nuit et qu'elle jeûne la journée et qu'elle fait l'aumône, que là, elle est dans le paradis. Hein? Car il a dit, alayhi sallam, elle est en enfer. Elle fait partie des gens de l'enfer. Allahu Akbar. Malgré la prière de la nuit, le jeûne de la journée et les aumônes et d'autres œuvres. Subhanallah al-Azim. Malgré cela, elle est en enfer. Et l'autre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne fait que les saintes prières. Et son aumône est très réduite. Son aumône est très réduite. Elle donne un peu, quelques morceaux de lait caillé. Vous connaissez le lait caillé, hein? En arabe on dit raïb. Enfin, en algérien on dit raïb. Naam. Et, subhanallah al-Azim, seulement qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'abstient de faire du mal. Celle-là, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, elle fait partie des gens du paradis. Dans un autre hadith, naam, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, classe le mauvais voile qui cause l'infortune. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, trois catégories de gens sont parmi les causes d'infortune. Il a dit, un responsable qui ne connaît pas le bien, qui ne reconnaît pas le bien que tu fais et ne pardonne pas l'erreur que tu commets, un mauvais voisin qui dissimule tes mérites et diffuse tes méfaits, et une épouse qui t'importune quand tu es présent et te trahit durant ton absence. Il a dit ce hadith, hadith dont les transmetteurs sont jugés dignes de confiance, rapporté par Tabarani dans Mu'jam al-Kabir, volume 18, page 267. Volume 18, page 267. J'ai essayé de confirmer ça dans d'autres livres, je n'ai pas trouvé. Donc, je me base sur ce qu'a dit l'auteur ici. Naam, c'est lui qui prend la responsabilité. Ces hadiths, dans leur ensemble, mettent en garde toute croyante contre toutes sortes d'agissements nuisibles à sa voisine. Une musulmane sincère doit donc faire preuve de conscience et de vigilance. Elle doit éviter toute nuisance, toute hostilité et toute haine vis-à-vis de sa voisine. À chaque fois qu'elle sent qu'une querelle est susceptible d'exploser entre elle et sa voisine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle doit se rappeler les avertissements du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. Notamment, un autre hadith qui dit, il a dit ici, un autre hadith qui dit, les premiers adversaires qui seront jugés au jour de la résurrection auront été les voisins. Il a dit hadith dont la voie de transmission est jugée appréciée, rapporté par Ahmed et Tabarani, voire Mu'jam Zawaid, volume 789, volume 8, page 170. Pour confirmer sa véracité, je ne l'ai pas trouvé dans d'autres livres. Naam. Nabiyamment, la musulmane ne manque pas au devoir de bienfaisance envers ses voisins. La musulmane ne manque pas au devoir de bienfaisance envers ses voisins. Donc, vous avez entendu ce qu'il a dit ici, c'est très intéressant. Là, une chose très importante, c'est quoi? Il a dit, écoutez bien, vous les sœurs, naam, et ça s'applique aussi aux frères. Ça s'applique aussi aux frères. Même ça s'applique à ceux qui ont des gens qui sont des voisins, qui ont des voisins avec eux. Regarde, à chaque fois, quels sont qu'une querelle est susceptible d'exploser entre elle et sa voisine, qu'est-ce qu'elle fait? Allahu alayhi wa alayhi wa sallam. Naam. Dès qu'elle sent que ça va éclater, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se dit dans son cœur, elle dit, A'oudhou billahi minash shaitanir rajim, moi je ne vais pas suivre celle-là. Celle-là ne sait pas ce que je sais. Celle-là, elle peut aller loin dans ses disputes. Naam, on peut peut-être même se frapper avec des couteaux. Naam, je préfère donc me taire et rentrer, naam, chez moi et fermer la porte et aller faire le wudu ou bien aller faire deux rak'at ou bien dire un peu de Coran. Rien, au contraire, ça va me pousser peut-être à dire des choses que Allah Azzawajal n'agrée pas. Tayyib, neuvièmement, la musulmane ne manque pas au devoir de bienfaisance envers ses voisins. Une musulmane pieuse ne se contente pas
ne se contente pas de s'abstenir de nuire seulement cela. Mais dans la mesure de son possible, elle prend toujours l'initiative de manifester sa bienveillance envers eux, le permettant ainsi d'agir de même. C'est-à-dire, à chaque fois qu'une occasion de bienfaisance envers eux se présente à la musulmane, elle ne la manque pas et elle s'empresse de leur accorder sa sollicitude, sa générosité et sa bienveillance. La musulmane aux attentes de ses voisines, car elle craint que les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam décrivant le voisin avare et ingrat s'appliquent à elle. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, écoutez ce qu'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, écoutez ce qu'il a dit: combien de gens s'agripperont à leurs voisins au jour de la résurrection en disant: ô Seigneur, Ya Rabbi, ô Seigneur, celui-là m'a fermé la porte au visage, me privant ainsi de ses faveurs. Subhanallah al-Azim, je répète, combien de gens s'agripperont à leurs voisins au jour de la résurrection en disant: ô Seigneur, celui-là m'a fermé la porte au visage, me privant ainsi de ses faveurs. Allahu Akbar. Hadith authentique. Voir Sahih al-Adab al-Mufrad de Sheikh al-Albani, page 53. Bien sûr, il se trouve dans un livre de Bukhari qui s'appelle Adab al-Mufrad, authentifié par Sheikh al-Albani. Donc, tel est le sort du voisin avare au jour de la résurrection: malheur, perdition et déception. Subhanallah al-Azim, c'est grave. Vous avez entendu ce que j'ai dit, ce qu'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il ne parle pas ici des gens qui font du mal. Il parle du voisin qui est avare, qui par exemple fait des choses, etc., et ne veut pas donner à son voisin. Celui-là, ton voisin, c'est ton voisin auquel, ou là envers lequel tu étais avare, va s'agripper à toi le jour de la résurrection. Il va dire: Ya Allah, demande à celui-là pourquoi il m'a fermé la porte au visage et il m'a privé de ses faveurs. Ya Allah, tu as donné à ce voisin des faveurs. Allah Ta'ala, on ne lui demande pas la question pourquoi tu lui as donné. Mais on lui dit: Allah, tu as donné des faveurs à ce voisin, mais il n'en a jamais partagé quelque chose avec moi. C'était un avare, tout pour lui, seulement pour lui. Alors il va s'agripper à toi. Subhanallah al-Azim, c'est difficile. Allah al-Azim. Selon l'islam, les musulmans et les musulmanes ressemblent à des pièces d'un édifice immense et solide. La solidité et la résistance de cet édifice, la communauté, réside dans l'attachement profond de chacun de ses membres aux autres. Dès que ce lien est relâché ou rompu, tout l'édifice s'affaiblit puis s'écroule. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le croyant est au croyant comme des parties d'un édifice qui se soutiennent les unes les autres. Je répète, le croyant est au croyant comme des parties d'un édifice qui se soutiennent les unes les autres. Hadith rapporté par Bukhari par rapport à l'autre croyant, c'est quoi? C'est comme un édifice. L'édifice, il est formé de quoi? Il est formé de pierres, de briques, de... Tu peux enlever toi une pierre ou là de l'édifice, non. Ou bien il va y avoir un trou comme ça visible, soit alors un défaut, ou bien il va s'écrouler si tu enlèves les pierres essentielles. L'édifice va s'écrouler. Il a également dit, sallallahu alayhi wa sallam, il a également dit: dans leur affection, leur tendresse et leur compassion les uns envers les autres, les croyants ressemblent à un seul corps. Lorsque l'un de ses membres souffre, les autres parties du corps s'interpellent mutuellement en insomnie et en fibre. Vous avez vu comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cette métaphore et comment, à quoi il a ressemblé, les croyants, quand ils sont entre eux, dans leur affection, leur tendresse et leur compassion.
Il a dit, il ressemble à un seul corps. Est-ce que quand une personne a mal, par exemple, à la tête, il dit j'ai mal à la tête, ou là, lorsqu'une personne, par exemple, lorsqu'une personne souffre, par exemple, d'une partie du corps, est-ce que les autres parties du corps, yani, ne souffrent pas? C'est pas possible. Si tu as mal à la tête, c'est la fièvre. C'est tout le corps qui est chaud. Si tu as mal à la dent, c'est seulement la dent qui te fait mal. C'est pas la dent. C'est ta tête qui te fait mal, les tempes qui te font mal. Yani, tu n'es pas tranquille. Ce n'est pas seulement elle, la dent. Et comme ça dit le messager d'Allah, il a dit normalement, on est tous comme un seul corps. Quand quelqu'un a un mal ou un problème, le mal ou le problème se propage à nous tous. Quand quelqu'un a mal ou bien un problème, normalement le mal et son problème, moi aussi j'en suis concerné. Mais maintenant de nos jours, la foi est tellement faible que chacun dit quoi? Dit nefsi, nefsi. Chacun voudrait se sauver et chacun dit quoi? Dit alhamdoulillah dans son cœur. Ce n'est pas moi qui ai le problème. Alhamdoulilah, c'est mon voisin qui a le problème et ce n'est pas moi. Alhamdoulilah. Chacun dit nafsi, nafsi. Et bien sûr, ça, c'est un dalil de la faiblesse de la foi. Ça, c'est un dalil de la faiblesse de la foi. C'est pour cette raison que l'islam a fait un lien spirituel, un ciment qui préserve sa communauté et contribue à sa solidité et sa résistance face aux adversités susceptibles de la secouer. Il n'est donc pas étonnant que cette religion, c'est-à-dire l'islam, accorde un soin particulier aux relations de voisinage, en les basant sur la solidarité, la bienveillance et la beauté et la bonté. Dixièmement, elle endure les offenses et les erreurs de ses voisines. Salam alaykoum. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Une seconde, inshallah ta'ala, une seconde. في صوت Dixièmement, elle endure les offenses et les erreurs de ses voisins. Une vraie musulmane endure les offenses et les nuisances de ses voisins. Elle sait qu'elle lui inflige et ne se laisse pas emporter par la colère quand l'une d'elles lui adresse une offense. Quand ses voisines manquent à leur devoir vis-à-vis d'elle, ou bien commettent des erreurs à son encontre, elle les pardonne et se montre indulgente. Pourquoi? En escomptant la rétribution d'Allah pour son comportement. Elle a en effet la confiance absolue que sa tolérance dans ces situations sera prise en compte auprès d'Allah et qu'il l'en récompensera par son amour et son agrément. Donc, ce que je veux dire ici, ce qu'il veut dire lui aussi, c'est que c'est très facile de rendre le mal par le mal. Quand quelqu'un te frappe ou te donne une gifle, c'est très facile de lui rendre la gifle. Ou là, de lui donner plus que la gifle, de lui porter un coup de couteau, ou là de le frapper avec une barre de fer. Ça, c'est très facile. Je le laisse jusqu'à ce qu'il l'oublie, et quand il marche, je vais derrière lui, il ne sait pas. Je marche derrière lui et je lui donne un coup de couteau dans le dos, ou là avec une barre de fer sur la tête. Tout le monde peut faire cela.
Mais qui peut rendre le mal par le bien? Qui peut faire cela? Cela ne peut le faire que celui qui fait cette chose pour Allah Azzawajal. Quelqu'un, naam, qui, avant de faire la chose, se dit, je vais la faire pour Allah Ta'ala, pour son agrément, peut faire une chose pareille et peut faire plus. À condition qu'il connaisse quoi? Qu'il connaisse, naam, quelles sont les récompenses qu'Allah Ta'ala donne à celui qui patiente, endure et ne rend pas le mal par le mal. Naam. Car on a quoi ici? On est des croyants, on se dit des croyants. Je veux me rapprocher d'Allah, je veux être au paradis, je veux être avec les prophètes, les martyrs, avec les vertueux. Naam. Dans ce cas, alors il faut appliquer. Comment faire pour appliquer? Pour appliquer, tu dois oublier ton nefs, oublier qui tu es, et te rappeler que quoi? Que tu es quelqu'un qui doit appliquer le Coran et la Sunna. Tu es un soldat d'Allah Azzawajal. Tu n'es plus X et Y. Tu n'es plus Mohamed et Abdel Qader et Farid et Khlas. Tu es un soldat d'Allah Azzawajal qui va appliquer le Coran et la Sunna et imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son endurance et sa patience avec qui? Avec les kuffars, avec et même avec les musulmans qui étaient, certains qui étaient violents avec lui comme les compagnards, etc. Sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ne peut faire cela que un vrai croyant, que quelqu'un dont le cœur est plein, plein de foi et illuminé, naam, de l'agrément d'Allah Azzawajal. Dans un long dialogue où Mutarraf ibn Abdillah radiallahu ta'ala anhu a demandé au compagnon Abu Dhar al-Ghifari radiallahu ta'ala anhu de lui transmettre un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mutarraf a dit, ô Abu Dhar, un certain hadith que tu as rapporté m'est parvenu. Ô Abu Dhar, j'ai entendu naam, un hadith et on m'a dit que c'est toi qui as rapporté ce hadith. Depuis lors, je désirais te rencontrer. Je désirais te rencontrer. Regardez les gens, naam, des fois comme dans le hadith de... Qui s'est, si je ne me trompe pas, c'est Jabal, ou bien un autre, c'est pas Jabal, qui s'est déplacé un mois à cause de la hadith. Naam, Jabal ibn Abdillah, qui a acheté quoi? Une monture, et il est allé faire un voyage d'un mois, pourquoi? Pour écouter un hadith du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Un mois de voyage pour écouter un hadith et revenir. Subhanallah, regardez les gens. L'importance d'un hadith chez eux, l'importance d'un hadith chez les salafs et chez les vrais croyants. Naam, celui-là, il a dit ici, il a dit, Ya Abu Dhar, Ya Abu Dhar, j'ai entendu que tu as rapporté un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, cela fait longtemps que je désirais te rencontrer. Excellent. Maintenant que tu m'as rencontré, de quoi s'agit-il? Lui dit Abu Dhar. Je lui dis, raconte Moutarraf, il s'agit d'un hadith qui m'est parvenu, à savoir que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam t'avait dit, qu'est-ce qu'il avait dit? Allah azzawajal aime trois catégories de gens et déteste trois autres. C'est vrai, lui dit Abu Dhar, radiallahu ta'ala anhu, c'est vrai. Je ne m'imagine pas mentir au détriment du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quelles sont donc les trois catégories de gens qu'Allah azzawajal aime, lui demandai-je. Il me répondit, écoutez, les trois gens qu'Allah azzawajal aime, les trois catégories de gens qu'Allah azzawajal aime, qu'Allah ta'ala nous fasse d'eux, qu'Allah ta'ala nous fasse d'eux. Il me répondit, un homme qui participe à une expédition militaire et en escomptant sa récompense, puis combat jusqu'à sa mort. Il a dit, vous en avez la confirmation dans le livre d'Allah, Azzawajal. Il récita alors le verset qui dit, Allah aime ceux qui combattent pour sa cause en rang serré, ressemblant à un édifice renforcé. Coran 61:4. Ensuite, qui d'autre, lui demandai-je? La deuxième catégorie, c'est qui?
Il répondit, un homme dont le voisin est mauvais et ne cesse de l'offenser, mais qui supporte cela jusqu'à ce qu'Allah Ta'ala l'en délivre dans la vie ou par la mort. Subhanallah. Hadith numéro 2569 dans Sahih Tirmidhi de Sheikh Al-Albani, rahimahullah. Naam. Donc, c'est qui le deuxième? Celui qu'Allah Ta'ala aime, un homme dont le voisin est mauvais et ne cesse de l'offenser, mais qui supporte cela jusqu'à ce qu'Allah Ta'ala l'en délivre dans la vie ou par la mort. Et yani, si on avait vraiment de la foi et on appliquait vraiment le Coran et la Sunna, bien sûr, on vivrait comme des anges. C'est comme si on était dans cette dunya, c'est comme si on était dans le paradis. Non. Imaginez que moi, maintenant, j'applique ce hadith avec mes voisins. Et imaginez que mes voisins connaissent aussi ce hadith et connaissent les textes qu'on vient de lire et les âmes qu'on va vivre. On va vivre comme une grande famille. Nous tous les voisins, on va vivre comme une grande famille. Et une chose sans qu'ils goûtent. Ils ne peuvent pas manger une chose sans qu'ils me fassent goûter. Non. Ils ne peuvent pas faire une fête sans m'inviter. Je ne peux pas avoir une joie sans les faire participer. Et comme ça, on vivra, yani, un paradis sur la terre. C'est pour ça que les gens, non, sont malheureux. Pourquoi? Pourquoi on est malheureux dans cette donnée? On est malheureux parce qu'on n'applique pas le Coran et Allah Ta'ala a dit, Taha, ma anzalna alayka al-Qur'ana li tashqa. Allah Ta'ala a dit, Taha, on n'a pas descendu le Coran sur toi pour que tu vives malheureux. Non, li tashqa. Non, on a descendu pour que tu vives une vraie vie, une vie heureuse, etc. Mais quand est-ce? Quand on applique. Quand moi je n'applique pas, mon voisin n'applique pas, qu'est-ce qui va se passer? On va être des ennemis jurés. Non, on va être des ennemis jurés. Qu'Allah nous aide. La patience. La patience. Non. Tant que faire se peut, face aux nuisances des voisins, est donc l'une des vertus que toute musulmane doit acquérir. Elle doit, selon les termes du Coran, repousser le mal par le bien et faire preuve d'endurance et de sagesse. Ainsi, elle donne l'exemple de bon voisinage et parvient à éradiquer l'hostilité et la haine que les mauvaises voisines lui manifestaient. Et au-delà de ces considérations, elle doit aussi observer un tel comportement en étant consciente qu'elle se conforme au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que celui qui croit vraiment en Allah et au jour dernier ne fasse aucun mal à son voisin, rapporté par le Bukhari. Qu'a dit le messager d'Allah? Que celui qui croit vraiment en Allah n'a aucun mal à son voisin. Ça veut dire que si tu fais du mal à ton voisin, en le voulant, bien sûr, en le voulant, tu veux lui faire du mal, tu lui fais, c'est comme si tu ne croyais pas en Allah ou au jour dernier. Ou bien, c'est que ta foi en Allah et au jour dernier est vraiment faible. La preuve, Naam, la preuve, yani, elle t'exhorte pas, elle t'exhorte pas à appliquer, elle t'exhorte pas, Naam, à faire ce que Allah Ta'ala demande de toi. Donc, je vous donne un exemple pour que vous compreniez. C'est juste un exemple banal que je vais tirer comme ça de ma tête. Imaginez un camion ou un bus. Le bus, il a un moteur. Son moteur, c'est combien de chevaux? Combien qui contient de chevaux à l'intérieur le moteur? Je ne sais pas, je ne suis pas mécanicien. Peut-être 200 chevaux, peut-être 300. Non. Imagine que j'enlève ce moteur et je vais lui mettre un petit moteur d'une R4 ou là d'une 2 chevaux. Le moteur d'un R4, je vais le mettre dans le bus. Le bus, il va démarrer? Il ne peut pas. Pourquoi? Il n'y a rien. C'est faible. Le moteur existe, mais ça ne donne rien. Je ne peux pas marcher. Je fais pas un mètre. Le cœur existe, la foi existe, mais il n'y a rien, il n'y a pas les fruits, il n'y a pas les fruits. Naam, ma foi à l'intérieur est très très faible. Naam, elle donne rien, elle donne rien. Naam. Naam. C'est pour ça
que, je me rappelle, il n'y a pas longtemps, une sœur m'a écrit, elle m'a écrit deux ou trois fois, peut-être qu'elle est même dans le salon avec nous, une reconvertie. Elle dit que, ya Allah, elle dit que les problèmes qu'elle a avec les voisins, on ne peut pas les compter. Des problèmes monstres et immenses. Et elle dit que, bien sûr, ce sont des problèmes viennent d'eux. Et je l'ai cru, la sœur, je la crois. Parce que c'est une sœur, premièrement. Deuxièmement, surtout quand elle dit pour partir, qui porte le djilbab et le niqab. Et où j'habite ici, ce sont bien des juifs ou bien des musulmans, mais qui n'ont de l'islam que le nom. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas loin des juifs, des musulmans, mais qui ont avec comportement de juifs. Elle a dit, le malheur, c'est que les musulmans me font plus que mal que les juifs. Les musulmans rient de moi, frappent sur le plafond, yani sur son plafond, elles font de la musique à fond, ceci, cela, juste pour, yani, que je ne dorme pas, juste pour que comment dirais-je, je déménage, juste pour que j'enlève ce djilbab, ceci, cela. Je lui ai dit, patiente, inshallah ta'ala. Et fais quoi? Fais tout ton effort, si tu peux, pour quitter ce lieu. Pour quitter ce lieu. Car le messager d'Allah, quatre choses font le bonheur d'une personne. Quatre choses font le bonheur d'une personne et quatre choses font le malheur d'une personne. Entre les quatre choses qui font le bonheur de la personne, c'est quoi? Il a dit, et un bon voisin. Un bon voisin. Celui qui a un bon voisin, il a une des quatre choses qui font son grand bonheur. Et celui qui a un mauvais voisin, il a l'une des quatre choses, qui fait son malheur. Qui fait son malheur, bien sûr. Et je me rappelle que c'est pour ça qu'il est très important avant d'habiter, il est très important avant d'habiter, de chercher le bon voisinage. C'est très important. Je n'habite pas comme ça facilement. Mais je demande, c'est qui mon voisin? Je vais habiter devant qui? Et comme ça. Et j'ai lu quelque part que, quelqu'un, machin, qui habitait dans un endroit, mashallah, le voisin de ce. Alors quelqu'un lui a dit par exemple, pour ta maison. L'autre lui a dit, c'est un exemple, c'est toi. Il lui a dit, tu m'as donné 100 millions pour mon appartement. Jazakallahu khairan, c'est ça le prix de la maison. Même tu m'en as donné plus. Mais combien me donnes-tu pour le voisinage de X? Combien me donnes-tu, pour que tu sois le voisin de X que je vais quitter. N'oublie pas que je vais te donner et la maison et le voisin. Allahu Akbar. N'oublie pas. Tu vas habiter devant X. Allahu Akbar. Tu vas pas habiter devant un soulard qui va passer la nuit à crier, à hurler. Tu vas passer la nuit d'un voisin, quelqu'un, tu vas entendre la nuit le Coran. Tu vas entendre quelqu'un qui va lire la nuit dans sa prière le Coran. Quelqu'un qui, il ne peut pas te faire le mal d'une mouche. Si la mouche, elle fait un peu mal, lui, il fait pas mal. Alors, combien tu me donnes pour le voisin? Il y a des femmes qui, suite à une querelle banale, suite à une querelle banale, qu'est-ce qu'elle fait? Celui-là, suite à une querelle banale entre ses enfants et ceux des voisins, il y a des femmes qui perdent la raison et se laissent emporter par la colère et profèrent une série d'injures et d'insultes blessantes à l'encontre de leur voisine, mettant ainsi un terme à tous les liens de cohabitation et d'amitié qui les unissaient. Ces femmes-là doivent savoir qu'elles agissent contrairement aux principes de l'islam. Donc je répète la fin. Quant aux femmes qui font preuve de patience, de tolérance et d'indulgence envers leurs voisines, celles qui ne répondent pas au mal par le mal, celles-là doivent être fières et heureuses, car elles ont adopté un comportement sage, propre aux voisines vertueuses, un comportement apprécié et agréé par Allah Azza wa Jal.
نعم. الله عز وجل fasse de nous de bons voisins. On demande à Allah عز وجل le Tout-Puissant de faire de nous de bons voisins et de nous aider à ce qu'on fasse du bon voisinage une adoration qui nous permettra de rentrer au paradis demain et d'être avec les pieux et les vertueux. Naam. C'est la fin du 8e chapitre. Le prochain dars, inshallah ta'ala, chapitre 9, très important, son comportement vis-à-vis de ses amis et ses sœurs en religion. Son comportement vis-à-vis de ses amis et ses sœurs en religion. Naam. طيب ان شاء الله تعالى جو ماريت لا جو بي ريبوند ا كيل كيسيون جو دي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. طيب وكم ان شاء الله تعالى pour ام ابراهيم تفضلي. Est-ce que vous m'entendez Ibn al-Qayyim, est-ce que vous m'entendez? نعم. Sinon on passe à ام سلمان pour ne pas faire d'autres. تفضلي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'il y a du son? Inch'Allah. Arfan, j'avais un petit souci, donc j'ai dû sortir et revenir. Arfan, Akhir Ghulaba, est-ce que tu peux remettre la question, s'il te plaît? Barakallahu fik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Shir. Je dis souvent, mon enfant de 3 ans, c'est Allah qui a fait descendre la pluie, qui a créé le ciel, l'arbre, les fleurs, nous donne à manger, nous guérir de la maladie, etc. Est-ce correct? Qu'Allah vous récompense. Amin. Barakallahu fikum. Tfadal Cheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Vous m'entendez? Alhamdulillah. Elle dit, naam, je dis souvent à mon enfant 3 ans, c'est Allah qui a fait descendre la pluie, qui a créé le ciel, l'arbre, les fleurs, qui nous donne à manger, nous guérit de la maladie, ça. Est-ce correct? Naam, c'est très correct, inshallah ta'ala. C'est comme ça qu'il faut apprendre à l'enfant que tout bien vient d'Allah Azza wa Jal. Comme il a dit dans le Coran, وَمَا بِكُم مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Il a dit n'importe quelle ni'ma qui vous vient, elle vient d'Allah. Et ensuite, n'oublie pas que c'est lui qui a dit dans le Coran, الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ. Celui qui m'a créé, qui me guide, et c'est lui qui me donne à manger, me donne à boire. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. Et c'est lui qui, quand je tombe malade, me guérit. وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ. Et c'est lui qui va me faire mourir et me ressusciter. وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ. Et celui que j'espère, il va me pardonner mes péchés le jour de la rétribution. Et comme ça, بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Donc c'est sahih ce que tu dis. C'est bien pour lui apprendre la aqida comme ça, jeune. Barakallahu fik, jazakillahu khayran. Tafadla, inshallah, prochain. Oum Salman, posez votre question, inshallah. Akhir Ghulaba, la question elle est terminée, inshallah. Tape 1, inshallah, pour dire que c'est elle est finie. Non, barakallahu fik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cher, qu'Allah vous préserve. Amin. Un frère a divorcé sa femme en pleine grossesse. Entre parenthèses, ils vivent en France. La sœur en question voudrait savoir, est-ce que seul le père de l'enfant a la charge financière de l'enfant ou bien la charge revient-elle aux deux parents? Jazakum Allahu khayran, ahsan Allahu ilaykum. Tfadal Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Quand un homme en islam divorce sa femme en état de grossesse, naam, son divorce, naam, car le divorce se divise en deux, divorce de la sunna, divorce de la bida, son divorce est alors un divorce de la sunna. Quand quelqu'un divorce une femme en grossesse, naam, son divorce est juste, valable, c'est un divorce de la sunna, car le divorce de la bida, c'est quand il la divorce, quand elle a les menstrues, ou alors elle est purifiée, mais il l'a touchée déjà, il l'a touchée la semaine passée, ou bien il l'a touchée hier, donc c'est un divorce de la bida. Donc maintenant, puisqu'il a divorcé en étant enceinte, c'est quoi que dit l'islam? L'islam dit, alors c'est le père qui doit, l'âme, qui doit nourrir l'enfant et subvenir à ses besoins.
jusqu'à ce qu'elle accouche. Naam. Et après, quand on l'accouche, on verra. Naam. Donc, elle doit, inshallah, lui, pardon, le père doit, naam, dépenser pour cet enfant jusqu'à ce que sa femme, naam, et ce que sa mère le mette bas au monde. Naam. Wallahu azza wa jal a'lam. Tafadhal, inshallah ta'ala, le prochain. Safia, c'est à vous, Inch'Allah. Non, mais je vous ouvre le PV, Inch'Allah. Mettez-la moi donc en PV, c'est les temps. Par contre, votre PV est bloqué. Ou sinon, vous la coupez en deux, Inch'Allah. Donc, vous la. Et vous faites un copier-coller. Par contre, Whisper, à la fois, mais je le vois pas. Hein. J'ai essayé de le chercher, je le trouve pas. Donc, Inch'Allah, si tu le vois, fais-le directement. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم pour tout ce que vous nous apportez. J'ai deux amis à moi qui se sont convertis, mashallah, la hawla wa la quwwata illa billah. J'aimerais savoir comment leur montrer la bonne voie à suivre. De quelle manière? Conseillez-moi, min fadlikum. Tfadal Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatoullah wa barakatuh. Je profite pour dire au frère Abou Abdel Hakim, c'est la deuxième ou troisième fois que je le contacte, il a les PV fermés. Taïb, frère, inshallah ta'ala. Je dis à ces deux sœurs, naam, qui se sont converties, reconverties, naam, je demande à Allah ta'ala qu'il les aide, leur ouvre ses portes et naam, les fasse rentrer au paradis et qu'Allah ta'ala agrée et récompense la personne qui a été la cause de la reconversion de ces deux sœurs. Car comme a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à Ali, il lui a dit, si Allah ta'ala guide une personne et fait de toi la cause pour qu'il guide une personne, c'est mieux que les meilleures montures, bien sûr. C'est-à-dire, c'est ce qu'il y avait de mieux à l'époque. Maintenant, je voudrais dire comment qu'elle doit faire avec elle. Non, comment qu'elle doit faire avec elle. Ce n'est pas facile, car si tu veux les orienter, toi aussi tu dois avoir de la science. Si tu veux les orienter, toi aussi quoi? Tu dois avoir de la science pour ne pas, sans le vouloir, pour ne pas les induire en erreur. Non. Ensuite, si tu n'as pas assez de science, elles peuvent te poser des questions embarrassantes. Non, à laquelle tu ne répondras pas, et elles trouveront alors qu'il y a un manque dans l'islam, ou alors il y a des contradictions. C'est pour ça, Wallahu ta'ala a'lam. Moi, comment on dit ça? Je donne la nasiha, de lui donner, les livres, si ce sont des personnes qui lisent, les livres, des grands savants, ou bien des CD de Doros, l'essai de Doros sur le minhaj, etc., la aqida, etc., ou bien de les orienter à assister les Doros dans le Paltok, ou bien de les orienter à ce qu'elles aient l'internet et assister les Doros dans le Paltok. Et je crois, Wallahu a'lam, c'est la chose la meilleure. Naam, c'est la meilleure. Pourquoi? Parce que quand une personne assiste avec d'autres gens, elle sent qu'elle n'est pas seule, elles se sont réconfortées dans la foi. Elle se dit comment? Moi, je me suis trompée. Toutes ces personnes qui sont dans le salon se sont trompées. Donc, ça se voit qu'ils sont dans le vrai, hein, qu'elles se sont réconfortées quand la personne sent qu'elle n'est pas seule. Naam. Wallahu azza wa jal a'lam. Naam. C'est ce que je te préconise. Et tu leur montres, inshallah ta'ala, ce que tu peux, ce que tu sais toi et ce dont tu es sûr, tu le leur montres. Quant aux choses que tu ne connais pas, tu les guides. Inch'Allah ta'ala. Wallahu azza wa jal a'lam. Mais attention, je dis à ma soeur, je lui dis attention seulement que, naam, attention que tu commences avec une bonne niya à tout leur interdire. Naam, attention à ce que tu commences à leur dire, ça c'est haram, ça c'est bid'a, ça c'est haram, ça c'est bid'a, ça c'est haram, c'est laïjouz, c'est laïjouz, jusqu'à ce qu'elles fuient et elles disent, oh, on ne savait pas que c'était comme ça et que c'était très difficile l'islam. Non, tout est haram, il n'y a rien de halal. Tout est haram.
C'est vraiment difficile. Naam, j'étais mieux. Attention, ma soeur, que tu fasses cette erreur. Naam. Ou jazakumullahu khairan. Tfadl, inshallah ta'ala, le suivant. Oumou Ferdaous, c'est bon, Inch'Allah. La question est terminée, Oumou Ferdaous. Non. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Est-ce que le stérilet, qui est un moyen de contraception, est autorisé? Barakallahu fikum, qu'Allah vous accorde le Ferdaous. Amin. Tfadl, Cheikh. J'ai dit, Inch'Allah ta'ala, le stérilet est permis si nam, on remplit les conditions. C'est-à-dire, sans condition, il n'est pas permis. Mais si les conditions existent, Inch'Allah ta'ala, il est permis. C'est quoi, là, par exemple, la condition? Premièrement, être dans la nécessité de le mettre. Être dans la nécessité de le mettre. Par exemple, maladie, éreintement, grande anémie. Le médecin a dit tu ne peux pas yani, tomber enceinte yani, dans cette situation comme ça. Tu es très faible et comme ça. Donc premièrement, ce n'est pas elle qui a choisi, hein, mais il y a le besoin ou la nécessité. Deuxièmement, ne pas le placer par peur de famine ou de pauvreté, par exemple. Croyons, comme croient certains, que si on va avoir beaucoup d'enfants, on ne peut pas les nourrir. Non. Si on va avoir beaucoup d'enfants, on ne peut pas les nourrir. Et les gens, ce qu'ils oublient ou ne savent pas, c'est quoi? C'est que chaque enfant qui va venir avec ses biens, son rizq. Ce n'est pas toi qui vas lui donner son rizq. Nahnu narzuquhum, comme a dit Allah Ta'ala. Chaque enfant qui va venir va ramener son rizq avec lui. Et que peut-être, je dis le contraire, peut-être tu étais pauvre. Et avec le sixième enfant, tu vas t'enrichir, ou le septième. Naam. Il va ramener avec lui des biens et des biens. Naam. Le temps d'allaiter son enfant et d'espacer durant 2 ans, c'est permis. Naam, c'est permis. Naam, d'espacer les naissances. C'est permis d'espacer les naissances. Et troisièmement, qu'il soit comme dernière solution. Ce n'est pas la première solution, le stérilet. Pourquoi? Car il y a en fait, hein, il y a par exemple, comme les pilules qui ne nuisent pas à la femme. Enfin, la sorte qui ne nuit pas. Il y a des pilules qui font mal et des pilules qui ne nuisent pas à la femme. Hein. On doit les devancer au stérilet. Vous savez pourquoi? Pourquoi on les devance au stérilet? On les devance au stérilet pour la bonne raison que si on va mettre le stérilet, on est obligé de montrer sa aura. Non, quand je dis montrer sa aura, la montrer à la femme. Je ne parle pas de l'homme. Mais je vais montrer ma aura à l'infirmière et à la femme médecin pour qu'elle me place le stérilet. Alors que la pilule, non, me permet de ne pas dévoiler ma aura, ni mes parties intimes. C'est pour cela que, voilà la quatrième condition et la plus importante, que pour que le stérilet soit accepté, il faut que ça soit une femme qui le place et non un homme. Un homme, il ne lui est pas permis jamais, hein, de mettre sa main dans ces parties-là, ni de voir ces parties-là, ni de s'approcher de ces parties-là. Non. Le stérilet, il n'est pas une obligation, ni une nécessité pour que la femme, hein, lui permette de toucher ces membres-là. Non. Donc, c'est une femme qui doit faire mettre le stérilet. Et dernièrement, la dernière condition, la cinquième, elle doit le mettre pour une période déterminée seulement, et non pas à vie, et non pas à vie. Car certaines personnes le mettent et elles disent je le laisse à vie. Celle-là, elle n'a pas le droit. Wallahu ta'ala a'lam. Tafadhal inshallah ta'ala le prochain. Minhajul haqq, c'est à vous, Inch'Allah. Salamu alaykum wa rahmatullah. Excusez-moi pour la longueur de la question, mais c'est pour une sœur qui n'est pas présente sur le salon. Puis-je enregistrer la réponse, Cheikh? Barakallahu fikoum. Donc, Cheikh, est-ce que vous donnez votre accord, Inch'Allah? Par contre, Minhajul Haqq, vous avez le raid, je voulais enlever. Hein. Non. Donc, le Cheikh vous autorise, mais par contre, comme il dit, il ne sait pas encore s'il a la réponse.
Et donc mettez-moi 1 lorsque la question est terminée. Barakallahu fikoum. Bismillah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa sheikh. Le cas d'une sœur qui demande votre conseil, inshallah. Une sœur est divorcée d'un premier mariage et a eu un enfant dont elle a la garde, alhamdoulilah. Elle s'est remariée et a 3 autres enfants, masha'Allah. Le premier enfant, dont elle est divorcée, d'avec le père, a bientôt 6 ans. Donc son instruction devient obligatoire en France. Le problème qui se pose actuellement est que le père de l'enfant refuse que la sœur lui fasse l'école à la maison. Il menace la sœur de prévenir les services sociaux car il a lui aussi des droits sur cet enfant par rapport à la loi française. Entre parenthèses, c'est-à-dire qu'il a son mot à dire dans l'éducation de l'enfant. Et aussi il menace de prendre l'enfant pour l'inscrire dans une école de mécréants. La sœur est inquiète car la seule école algérienne ici n'a plus de place. L'école irakienne a de la place, mais le souci, c'est qu'elle ne connaît pas la tendance, chi'a ou pas. De plus, la sœur habite dans un F2 avec 4 enfants et son mari. Et si les services sociaux constatent ces conditions de logement restreintes, ils risquent d'obliger la sœur à inscrire l'enfant dans une école mécréante. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à cette sœur, chir? Et est-ce que je peux enregistrer la réponse pour la sœur? Barakallahu fikoum. Tfadal cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Muslim, c'était toi qui es en train de lire? Qu'est-ce qui est en train de lire, Muslim? Est-ce que c'est toi? Ah, alhamdoulilah. Tayyib, si je comprends bien, on me dit que les gens dans les gens, c'était cool, les chinois, les chefs, il y a bien qui est dans le programme. Tayyib. Donc si je comprends bien, Muslim, si je comprends bien, c'est le premier mari qui demande ces choses, ça? C'est le premier mari qui fait les pressions. Minajul Haq, réponds-moi. C'est le premier mari qui fait toutes ces pressions. Naam. Naam. Tayyib, tout à l'heure, je dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salat wa salam ala ashraf al-mursalin. Naam, c'est le père de l'enfant, je comprends. Tout à l'heure, quand j'ai commencé à lire ce que il y avait dans la question, dès que j'ai vu que c'était écrit il y a une école irakienne, j'allais répondre alors que le moindre mal, c'est de le mettre dans une école irakienne. Le moindre mal. Car quand c'est une école chiite, elle est connue, très connue. Et autre chose aussi que je veux dire ici, c'est que quand il y a des contraintes comme ça, sur une personne, si on est obligé de faire ce qu'on ne veut pas, ou ce qui va contraire, par exemple, à l'islam, c'est celui qui m'a forcé qui va avoir les péchés. Donc la sœur, Inch'Allah Ta'ala, si son mari la force à ce qu'elle fasse telle ou telle chose, c'est lui qui aura les péchés et les péchés de cet enfant. C'est lui qui les aura et pas elle, parce qu'elle a été forcée et elle n'a pas d'autre solution. C'est pour ça que elle doit chercher le moindre mal, et le moindre mal, inshallah ta'ala, c'est de l'inscrire dans une école irakienne, tout en vérifiant ce qu'il apprend, par exemple, et en regardant ses cahiers, etc., et en lui inculquant comme ça les préceptes de un sunna, pour qu'Inch'Allah Ta'ala il soit toujours sur le droit chemin. Mais quant aux contraintes, bien sûr, les contraintes qui viennent, Allah Ta'ala connaît ce qu'il y a dans les cœurs, et il sait que cette sœur était sincère, qu'elle voulait lui apprendre à la maison, etc., mais que c'est plus fort d'elle, et cette chose est venue comme réponse à des pressions. Naam. Wallahu azza wa jal a'lam. Naam. Tafadhal inshallah le suivant. Naam Saoudia, on vous a enlevé le raid, inshallah, ça vous pose la question. Naam Allah, c'est la question de Saoudia. Naam barakallahu fik.
Donc mets-moi un, Inch'Allah, akhi, lorsque la question est terminée. Donc la question est terminée. Salam alaykoum, cher. Une sœur assiste à vos cours, mais depuis quelque temps, elle n'arrive pas à se contrôler dans le sens où elle voit dans la room des sectes égarées. Lorsque je lui parle, elle me dit: je défends les propos diffamateurs et les accusations qu'il lance sur le Cheikh Chalabi. Pourriez-vous lui faire un rappel pour qu'elle cesse de se promener dans ces salons, car cela l'influence, surtout qu'elle parle avec l'un d'eux qui est un frère. Tfadal, Cheikh. Alaykoum salam, rahmatullah wa barakatuh. Est-ce que la sœur d'abord, est-ce que la sœur d'abord, Nam, elle est là? Est-ce que la sœur, si je lui fais le petit rappel, est-ce qu'elle est là? C'est ça le problème. Non, mais c'est enregistré, Nam. Wasmak, Muslim, alhamdulillah. Nam. Est-ce que la sœur veut dire que elle assiste dans ce salon pour défendre ce qu'on dit de moi? Est-ce qu'elle a dit cela? C'est-à-dire pour répondre aux accusations que c'est pas cela. Alors c'est quoi? Saoudi a dit naam. Muslim, Saoudi a dit naam. Mais c'est ce que je comprends moi. Naam, c'est ce que je comprends. Tfadhal Muslim. Non, à la fois, j'ai peut-être mal compris, cher, mais Annie, dans le conseil qu'elle vous demande de donner, elle a dit que cette sœur, elle assistait à vos cours et que depuis quelque temps, je relis à cher, hein, c'est ce qu'elle a écrit, que depuis quelque temps, elle n'arrive pas à se contrôler dans le sens où elle va dans les rooms des sectes égarées. Lorsque je lui parle, elle me dit: je défends les propos, Annie, qu'on dit contre vous. Yanné, donc elle assiste au cours des autres rooms et au cours de votre room. Et en plus, cette sœur, Yanné Cher, elle parle avec un frère de ces sectes égarées. Voilà, donc c'est ce que j'ai compris. Yanné, donc elle fait pas que protéger Yanné des propos qu'on dit sur vous, c'est qu'en plus, elle parle avec des personnes de ces sectes. Donc, Inch'Allah, Saoudia, Yanné, si je me trompe, vous le dites, Inch'Allah. C'est mieux pour que le cheikh saisisse mieux la question. Tfadal, cheikh. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam. Et elle parle avec ce frère justement pour défendre. C'est pour défendre qu'elle parle. C'est pour défendre qu'elle parle. Ce n'est pas pour autre chose. Moi je dis à cette sœur, bi-idhna azza wa jal, jazakillahu khayran. Jazakillahu khayran pour ce que tu fais. Naam. Et pour yani, les efforts que tu fais aussi pour yani, rendre, pour réfuter les accusations et les diffamations. Mais, il y a toujours un mais, bien sûr. Nam, elle précise. Nam, mais je dis à cette sœur, Inch'Allah ta'ala, si elle m'entend, je lui dis si elle m'entend que Nam, elle n'a pas le droit. Nam, elle n'a pas le droit de rentrer dans une salle de qui? De mubtadi'a, d'égaré et d'innovateur. Pourquoi? Parce que Nam, si la malédiction d'Allah Azzawajal descend, quand ils sont en train de parler comme ça, etc., Nam, si jamais ils attirent la colère d'Allah ta'ala et qu'ils les maudissent, elle sera maudite, Nam, avec eux aussi. Elle sera maudite avec eux aussi, même si elle est de Ahlus Sunnah. Nam, ça, c'est premièrement. Deuxièmement, Nam, deuxièmement, c'est interdit de s'asseoir avec des gens pareils. Pourquoi? Parce que quand elle rentre dans un salon pareil, elle est la cause, Nam, de faire croire aux autres qu'ils sont nombreux. Car elle fait multiplier le nombre. Si elle rentre, moi je rentre, X rentre et Y rentre, Nam, qu'est-ce qui va se passer? Même si on rentre avec une bonne intention, on va faire croire aux autres que
Masha'Allah, yani on est nombreux, etc. Donc c'est une bonne salle. Ils vont dire donc c'est un bon salon. Naam. Et troisièmement, pourquoi lui n'est pas permis de rentrer? Parce que c'est vraiment difficile pour elle. Aujourd'hui, elle peut réfuter une ou deux choses. Demain, naam, elle peut être influencée par ce qu'ils disent. Et ils risquent de dire des choses à laquelle elle ne trouvera pas de réponse. Et elle tombera dans la fitna. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que, nous a appris que quand il y a une fitna, qu'est-ce qu'on fait? On ferme toutes les portes, les fenêtres et on reste dans la maison. Comme il a dit alayhi wa sallam, Kounou ahdas abuyutikum. Naam. Quand il y a une fitna, je ne dis pas je vais voir qu'est-ce qui se passe et je reviens. Mais je ferme tout et je vais lire le Coran, là je vais à la prière. Je vais faire des nafilas. Naam. Je reste chez moi. Je ne dis pas je vais voir qu'est-ce qui se passe dans la fitna. Car tu sors avec une bonne intention et voilà que des choses vont se passer et tu vas tuer quelqu'un et revenir. Tu vas tuer quelqu'un avec un couteau alors que, subhanallah al-azim, si tu étais resté chez toi, rien ne te serait arrivé. Et c'est pour ça que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith authentique, il a dit que si jamais vous entendez que le faux messie, le messie Dajjal, l'antichrist, est sorti, attention que vous alliez vers lui pour dire je vais voir ce qui se passe et qu'est-ce qu'il fait, etc. Car l'un de vous ira vers lui, ou certains d'entre vous iront vers lui, hein, pour voir ce qu'il passe, etc. Et ils le suivront. Donc s'ils étaient restés à la maison, c'est mieux que d'aller voir ce qui se passe. La même chose ici dans les salles. On ne peut pas rentrer dans ces salles. Hein, pourquoi? Pour ne pas attraper leur virus et. En plus de cela, et avec cette chose, je vais terminer, inshallah ta'ala, avec cette sœur, c'est que ça la pousse à parler avec un frère. Ça la pousse à parler avec un frère sans nécessité. Sans nécessité. Et peut-être que, wallahu alam, que ça va commencer bien et ça va finir par parler avec passion. Elle va commencer bien, ensuite elle va terminer en parlant avec passion avec lui, car ils vont quoi? Ils vont s'habituer l'un à l'autre, etc. Ensuite, ça sera difficile, hein, de quitter, hein, et ça tombe, ils tomberont dans la fitna que Allah Azzawajal nous en préserve. Naam. Tfadal, inshallah. Salam alaikum. Est-ce qu'il y a du son? Abou Yamin, c'est à votre tour, Inch'Allah. Algo là-bas, j'ai vu que vous avez posé une question. C'est la question à qui? Inch'Allah, donc je vais lire la question. Un petit rappel pour ceux qui prennent leur place. Shir avait rappelé dans un précédent cours que la règle, c'est que c'était le cadre et qu'ils pouvaient pas récupérer leur place. Donc, inutile d'envoyer des messages pour demander de récupérer votre place, c'est pas possible. Salam alaikum. Est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a rassemblé toutes ses femmes dans une seule maison et chacune d'elles avait-elle sa chambre? Ou bien avait-elle chacune leur maison séparée les unes des autres? Wa alaykoum salam wa rahmatoullah wa barakatuh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas rassemblé toutes ses femmes dans une seule maison. Mais chacune avait peut-être une seule pièce, mais avec rentrée différente. C'est-à-dire, s'il ouvre cette porte, il rentre chez par exemple Safiya. S'il ouvre la deuxième porte, il va rentrer chez Hafsa. S'il ouvre cette porte, il rentre chez Aïcha. Et comme ça. Yani séparées l'une de l'autre. Séparées l'une de l'autre. Mais qu'est-ce qu'elle faisait? Radiyallahu ta'ala anhunna, elle se regroupait chaque soir chez la mère, c'est-à-dire notre mère, avec laquelle le prophète alayhi sallam allait passer la nuit. C'est-à-dire, si c'est la nuit de Aïcha, aujourd'hui, elles se rassemblent toutes chez Aïcha, jusqu'à ce que il fasse vraiment nuit, elles sortent pour le laisser seul avec elle. Et si c'est la nuit, par exemple, de Safiya, naam, elles se rassemblent toutes chez Safiya. Naam. Comme ça. Mais certains savants, comme Cheikh Ibn Uthaymeen Rahimahoullah dans son livre ici, Sharh al-Mumti', il a dit qu'il était interdit, lui aussi se basant sur d'autres avis, de regrouper, naam,
deux femmes dans une même maison. Dans une même maison. Naam. Pourquoi? Car c'est la fitna. Elles vont pas s'arrêter de s'injurier et de faire la fitna. Naam. De préférence, chacune, par exemple, dans un étage seul. Celle-là au rez-de-chaussée, l'autre au premier, l'autre au deuxième, et comme ça. Mais pas dans la même maison. Naam. Sauf si vraiment, vraiment, elles sont comme deux sœurs. Elles sont comme deux sœurs. Et yani, celles-là, ce sont vraiment des perles rares. Allah ta'ala alam. Tfadal, jazakallahu khayran. Nam, salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Par contre, j'informe les frères et sœurs, yani comme la room est arrivée au maximum, il y a une autre room qui diffuse en simultané justement le question-réponse qui se passe actuellement. C'est la room La Voix à suivre. Donc, Inch'Allah ta'ala, si des personnes ne peuvent pas rentrer sur cette room, invitez-les donc à rejoindre la room La Voix à suivre. Et également, justement, les personnes qui sont sur cette room. Je vous invite à aller en même temps sur l'autre room, comme ça, Inch'Allah, elle va arriver deuxième de la liste et les gens donc comprendront. Inch'Allah. Barakallahu fikoum. Par contre, Al-Ghuraba, il y a d'abord la question de Abu Yamin. Donc je vais la lire, Inch'Allah. Salam alaykoum, Cheikh. Qu'Allah vous illumine. Allahumma amin. Cela ne fait pas longtemps que je fais la salat, mais ma femme ne la fait toujours pas. Auriez-vous des conseils pour que je lui fasse da'wa, car n'ayant pas de ilm, c'est dur pour moi. J'ai deux enfants qui, eux, font la salat depuis que je leur ai dit. Je n'ai pas envie de faire du tort à ma femme en lui forçant de faire la prière. Barakallahu fikoum. Tfadal, Cheikh. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Sa femme, la femme du frère, est-elle là avec nous dans le salon? Je pose cette question. La femme est-elle en train de m'entendre ou laisser son mari qui m'entend? Je voudrais savoir, est-ce que c'est son mari qui m'entend ou bien c'est elle? C'est le mari, alhamdoulillah. Naam. Je dis, bi'idhnillahi azza wa jal, naam, que le fait, naam, de demander à la femme qu'elle fasse la salat, naam, c'est une chose obligatoire pour le mari. C'est une chose obligatoire pour le mari. Mais n'ayant pas assez de science, il est possible que il n'arrive pas à la convaincre. Il est possible que il n'arrive pas à quoi? À la convaincre. Non, car elle a besoin d'écouter des versets, des hadiths, ce que disent les savants. Non, quelle est la fin de celui qui ne fait pas la prière et comme ça. Non, c'est pour ça que non, le frère, par exemple, pourrait, par exemple, l'inviter comme ça, par exemple, dans un salon, par exemple, et dire, par exemple, à quelqu'un qui a de la science comme ça, par exemple, de lui parler de c'est quoi la salat en islam, c'est quoi les bienfaits de la salat et quels sont les péchés et le châtiment de celui qui ne fait pas la salat. Quant à ce qu'a dit le frère, quand il a dit je veux pas la forcer, mais sache que il est interdit en islam de vivre avec une femme qui ne fait pas la prière. Comme à la femme, il est interdit qu'elle vive avec un mari qui ne fait pas la prière. C'est pour ça que, Inch'Allah ta'ala, je ne te demande pas de la forcer. Mais je te demande, de lui en parler assez, assez beaucoup, pour qu'elle comprenne que vraiment c'est une chose, sur laquelle tu ne transiges pas. Je lui ai dit, elle l'a fait pour moi, et pas pour l'amour d'Allah. Naam, laisse-la la faire pour toi. Là, ça se renversera et ça sera pour Allah Azza wa Jal. Naam. Comme Salama. Naam. Quand son mari a voulu lui demander sa main, elle lui a dit, il faut que tu rentres en islam. Il faut que tu rentres en islam. Il lui a dit, rien ne te manque, mais il faudrait que tu rentres en islam. Il est rentré en islam pour se marier avec elle. Et en rentrant en islam à cause d'elle pour le mariage, ensuite il est devenu l'un des grands compagnons. Al-Muhim.
l'islam, elle l'a fait. Même, au moins elle l'a fait. Pour te respecter tout ceci, et ça va terminer par être pour Allah Azzawajal. Ça va terminer par être pour Allah Azzawajal. Mais il faudrait que tu lui fasses comprendre, Inch'Allah Ta'ala, que c'est quelque chose de très important. Naam. Et que, naam, tu voudrais qu'elle la fasse, c'est très important, et que tu insistes beaucoup. Plus elle te voit insister, plus elle sait que, naam, elle doit la faire. Naam. Humine son cœur, naam, pour qu'elle la fasse en ces moments. Naam. Tfadl, Inch'Allah Ta'ala. Salam alaikum. J'ai eu des PV pour non-respect du code de la route, que je n'ai pas payé. Chiariani, les PV, c'est pas ceux de Paul Tolkien, c'est des contraventions. Depuis, la somme des PV, des contraventions, a augmenté, car je n'ai pas payé et je ne sais pas. Combien je dois, car certains datent de plusieurs années. Si je demande à les payer, ils vont me demander de payer la totalité avec l'augmentation qui, je pense, Allahu a'lam, est de l'intérêt. Que dois-je faire? Jazakallahu khairan. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Quand il dit, si je vais demander à les payer, on va me demander de payer la totalité. Donc, est-ce que je comprends que le frère ne veut pas payer la totalité? Est-ce que je comprends comme cela? J'attends sa réponse. Chiriani, je connais un peu le problème. Ce qui veut dire, le frère par là, c'est que l'amende au départ elle était de 90 €, mais quand les personnes ils payent pas dans un délai de 3 jours, ça augmente à 375 €. Mais lui, la question qu'il pose, il pense que l'augmentation ça a été majoré, il pense que c'est de l'intérêt. Mais Allahu a'lam, moi je sais pas si c'est de l'intérêt ou pas. S'il y a quelqu'un qui a la réponse dans la room, ce qui peut nous en faire part, donc il veut savoir s'il peut payer ou pas. Salam alaikum wa rahmatullah. Je suis sainte. Alhamdulillah. Chauffe, ce soit des intérêts ou pas. Je réponds comme ça en général. Je réponds en général. Non. Quand on a des dettes, on doit les payer. Quand on a... Maintenant, vous m'entendez ou pas? Vous m'entendez? Alhamdulillah. Non, bon. Alhamdulillah, vous m'entendez. Non, quand on a des dettes, on doit les payer. Maintenant, quand c'est... Ah, ça. Ça. Pardon, vous avez raison, Afouan. Là, j'ai oublié le micro. Non, le micro était loin de moi. Il était loin de moi. Non, je disais que quand on a des dettes, on doit les payer, mais... Si ces dettes viennent des intérêts, je ne suis pas obligé de les payer. Naam. Je ne suis pas obligé de les payer. Tant que quoi? Tant que je n'ai pas peur, naam, de la prison, ou bien qu'on me prenne mes biens, etc. Ou là qu'on me fasse mal, ou là. C'est ça l'essentiel. Naam. L'intérêt, je ne suis pas obligé de le payer. Naam. Si on me force de le payer, j'ai peur qu'il m'arrive du mal dans mes biens ou dans ma personne, l'âme, je le paye tout en étant dans mon cœur, en le détestant. L'âme. Mais les autres dettes, l'âme, je les paye. Mais il y a risque de saisie sur le salaire, c'est très occupé. C'est comme j'ai dit, tant qu'il sait qu'il n'y a aucun risque, il ne paye pas. Mais quand c'est difficile pour lui, s'il les paye, l'âme, quoi, il les déteste avec le cœur. Il ne veut pas les payer, mais ils l'ont forcé à payer. Faites dans le prochain. Non, par contre, Cheikh, il avait rajouté une petite remarque. Il a écrit au-dessus. Hein. Mais en fait, en droit français, le fait que l'on prévienne sur le procès verbal que l'amende sera majorée, c'est considéré comme une sanction au titre du droit pénal. Donc, Ani, ça voudrait dire que ça ne serait pas considéré comme un riba. Donc, une personne qui a fait du pénal, je dis. Donc, voilà, c'est ce que je viens de lire. Donc, prenez le mic et, Inch'Allah, s'il y a quelque chose à rajouter par rapport à ça. Pour dire que j'ai pas beaucoup compris. Non,
quand, par exemple, j'achète une voiture et, par exemple, cette voiture, je dois payer, par exemple, disons, 100 euros chaque mois. Non, je l'ai acheté comme ça, je paye 100 euros chaque mois. Ensuite, on me dit, si vous tardez un peu, vous ne payez pas un mois, vous devez payer 120 la prochaine fois. Ça, c'est interdit. Ça, je n'avais pas le droit, non, de me faire pénaliser comme ça. Non, ça, c'est interdit. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Non, qu'est-ce que j'allais dire? Est-ce qu'il reste encore une question, Inch'Allah? Amine, elle est où, Afri? Je la vois pas. Amine. Non, Amine, vous avez plus le raid. Inch'Allah, posez la question. Naam. Naam, je la vois, cher. En fait, elle est en bas, mais elle a plus le raid. Voilà. Salam alaykoum, cher. Je voudrais savoir comment expliquer à mon enfant de 9 ans que lorsqu'il prie, Allah est devant nous, entre parenthèses. Et toute personne qui prie en même temps, nous, et toute personne qui prie en même temps. Yani, j'ai pas bien compris la fin de la question. Que lorsqu'il prie Allah est devant nous. Et toute personne qui prie en même temps. Yani, vous voulez dire que à la fois Allah Ta'ala il est devant moi. Par exemple, si moi je fais salat maintenant et il y a une autre personne qui fait salat par exemple au Canada, yani Allah il est devant moi, il est devant cette personne. C'est ça? Je pense que c'est ça. Normal. Tfadal, cher. Walaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Je dis à Amin 13, je lui dis et elle me répond. Est-ce que le problème, il faut faire la différence entre ce que je. Yani, faut bien comprendre ma question. Est-ce que le problème, c'est que, comment lui expliquer que quand on fait la salat, Allah Ta'ala met son visage en face de nous, ou bien comment lui expliquer que, en même temps, il peut mettre son visage devant moi, devant X, devant Y, devant tous ceux qui font la prière. C'est quoi, Naam, la question, la première ou la deuxième? Là, en même temps. Les deux. Naam. De toute façon, je voudrais dire au père et aux mères, Naam, que l'enfant, on doit aller avec lui par étapes. Par étapes. Naam. S'il y a des choses, même dans la aqida, si on craint, on lui dit, non, ça va le perturber ou lui faire des problèmes, on laisse, inshallah ta'ala, jusqu'à ce que il soit assez âgé pour comprendre. Non, si on a peur en lui disant telle chose, il va croire qu'il y a autre chose et ne peut pas comprendre, alors on va aller avec lui doucement, doucement par étapes et on attend qu'il grandisse un peu pour qu'ils comprennent bien. Supposons maintenant que, Naam, supposons que je vais, par exemple, lui citer le hadith qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala, Naam, met son visage en face, Naam, de celui qui fait la prière. D'abord, entre parenthèses, c'est une occasion pour moi pour parler un peu des Habesh. Vous avez été tranquille aujourd'hui, vous n'avez pas entendu le mot Habesh. Hein? Vous dites Alhamdoulilah, aujourd'hui il n'y a pas le mot Habesh. Eh bien, le mot Habesh va venir maintenant. Naam, il est venu ici. Pourquoi? Parce que les Habesh disent qu'Allah Ta'ala n'a pas de visage. Le visage, c'est la souveraineté. C'est un signe de la souveraineté, c'est tout. Allah Ta'ala n'a pas de visage. Car si tu dis qu'Allah Ta'ala a un visage, tu l'as fait ressembler aux créatures. Donc tu es devenu anthropomorphiste. C'est-à-dire que le messager d'Allah était anthropomorphiste, qu'Allah leur brise leur dos. Naam. Donc, car le hadith a dit qu'Allah mettait son visage. Al-Muhim. Donc, si j'apprends à l'enfant, je lui dis, naam, pour qu'il sache que la prière c'est quelque chose de vraiment, et ça a beaucoup d'importance, je lui dis quand tu fais la prière, il ne faut pas tourner à droite ou tourner à gauche. Car Allah Azzawajal met son visage en face de nous. Et bien sûr, je ne
parle pas beaucoup là, pour qu'il commence pas à dire c'est comment son visage. J'insiste sur quoi? J'insiste sur le khushu'. Le khushu', c'est-à-dire que si tu tournes à droite ou à gauche, ou tu vois la montre, ou bien tu vois le plafond, ça veut dire que tu t'es détourné du visage d'Allah, car Allah Ta'ala a mis son visage en face de nous. Et s'il commence à demander c'est comment le visage, ça, je lui dis, Inch'Allah Ta'ala, tu comprendras ça plus tard. Naam, le khushu'. Ça viendra, ça, Inch'Allah Ta'ala, et tu comprendras, car Allah Ta'ala ne ressemble pas aux créatures. Naam, ne ressemble pas aux créatures. Il a un visage qui lui convient, pas comme notre visage. Et Inch'Allah Ta'ala, je te promets que je t'expliquerai après, Inch'Allah Ta'ala. Et encore, quand je lui ai dit, je te promets que je t'expliquerai après, naam, ça sera toujours dans sa tête. À chaque fois, il viendra demander. Alors, tu m'expliques aujourd'hui, je dis, attends, Inch'Allah. Et comme ça. Naam. Donc, c'est pour l'exhorter. Deuxièmement, comment lui expliquer que, yani, en même temps, Allah Ta'ala a mis son visage en face du mien et de tous les prieurs et de tous ceux, pardon, et de tous ceux qui sont en train de faire la prière. Cette question aussi, naam, est similaire à celle qu'on vient de parler. Cette chose aussi, il ne peut pas la comprendre, naam, parce que même en étant âgé, même à mon âge, même à ton âge, si tu voulais bien comprendre cette chose, tu ne pourrais pas. Comment comprendre que Allah Ta'ala met son visage devant toutes les personnes en même temps? Mais seulement, tu attestes avec le cœur que c'est une chose vraie et que Allah Ta'ala rien ne lui ressemble, que Allah Ta'ala rien ne lui est impossible. Il peut faire ça, naam. Comme il peut, naam, il peut nous faire tous mourir, tous mourir d'un seul coup, comme il a dit dans le Coran. Il a dit, votre façon d'avoir été créé ou bien de vous faire sortir des tombes, c'est comme je fais sortir une seule personne. Une seule personne. Donc je dis à cet enfant, Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas comme nous. Allah ta'ala, justement, rien ne lui ressemble. Il peut mettre son visage devant tout le monde, hein, à la fois. C'est pour ça qu'il n'est pas comme nous. Il ne nous ressemble pas. Naam. Mais comme je viens de dire, ce sont bien sûr des choses difficiles à lui faire expliquer, mais il faut aller doucement, doucement avec les enfants, inshallah ta'ala. Naam. Tfadla, inshallah ta'ala, le prochain. Salam alaikum à vous et Umninine, à votre tour, inshallah. Votre question, on la voit pas apparaître. Abou. Je pense que vous lui avez remis le raid sans faire exprès, Gouraba, à Abou et Oumniline. Elle n'avait pas posé sa question. Ah, c'est pas un iPhone. Tafadal Abou, Inch'Allah, vous pouvez poser votre question. Est-ce que vous nous entendez? Peut-être qu'il n'est pas devant le PC. Cher en PV, Barakallahu fik. Abou et Oumnini, Inch'Allah. Est-ce que vous êtes avec nous? Si vous êtes avec nous, tapez numéro 1. Vous n'avez plus le raid. Je l'envoie à qui? Ben, vous pouvez l'envoyer sur la room ou bien à moi directement en PV, Inch'Allah. C'est comme vous désirez. En attendant, Inch'Allah, pour pas perdre de temps, on passe à la question de Oumou Houdaïfa 78. Pouvez poser. Salam alaikum. Est-ce qu'une personne qui meurt au travail écrasée en plein ramadan en état de jeûne est-elle morte en faisant une bonne action?
cause d'entrée au paradis, inshallah. Est-elle considérée comme martyr le fait de mourir écrasé? Barakallahu fikoum, shir, qu'Allah vous préserve. Abu wa Umlinin, envoyez votre question à Muslim, alhamdulillah, inshallah, en PV. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez? Naam. Je ne connais pas un hadith, naam, qui dit que le fait de mourir écrasé, naam, fait rentrer la personne dans les martyrs et qu'il devient martyr. Naam. Mais je dis, naam, je dis que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Il a dit attendez une seconde. Quand Allah Azza wa Jal veut du bien d'une personne, il l'en miel. Naam, du mot miel. On a dit au prophète sallam, c'est quoi il l'en miel? Il a dit yu'assiluhu. Naam. Ils ont dit c'est quoi il l'en miel? Comment il lui met du miel? Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, naam, disons, je vous donne à peu près le sens en arabe, yani yulhimuhu amalan salihan thumma yaqbidu alayh, yulhimuhu amalan salihan thumma yaqbidu alayh, c'est-à-dire que il lui met comme ça dans son cœur, il le pousse dans son cœur à faire une bonne action, ensuite il le fait mourir sur cette bonne action. Donc cette personne ici qui mashallah est morte alors qu'elle jeûnait, naam, c'est qu'Allah Ta'ala l'a emmiellée. Allah Ta'ala l'a poussée à ce qu'elle choisisse de faire le siyam ce jour-là, et elle est morte, masha'Allah, en plein jeûne. Naam. Donc cette personne, Allah Ta'ala, lui a voulu du bien. Bi'idnillah subhanahu wa ta'ala, reste à savoir une seule chose, naam, inshallah ta'ala, que le travail où elle travaillait, qu'il soit halal, inshallah ta'ala. Inshallah ta'ala, qu'il soit halal. Naam. Naam, Cheikh, donc j'ai la question de Abu et Umninim. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum, Cheikh. Une sœur me demande de poser la question pour elle, Inch'Allah. Elle demande si le port du blanc pour la femme est permis dehors. جزاكم الله خيرا شيخ وحفظكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخ. مسلم ou bien celui qui a lu la question. نعم. أعتذر, je suis désolé de ne pas avoir écouté la question car j'étais ailleurs avec quelqu'un. Tfadhal inshallah ta'ala. Si c'est possible de relire la question, jazakallahu khairan. Naam, Cheikh, je relis la question inshallah. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum, Cheikh. Une sœur me demande de poser la question pour elle inshallah. Elle demande si le port des vêtements blancs pour la femme est autorisé dehors. جزاكم الله خيرا شيخ وحفظكم الله والسلام عليكم ورحمة الله. تفضل شيخ. Je réponds à cette sœur inshallah ta'ala. Si je lui dis, si elle travaille comme infirmière et elle met le blanc à l'hôpital, ce n'est pas interdit. Là, si elle travaille comme infirmière et elle met le blanc à l'hôpital, inshallah ta'ala, ce n'est pas interdit. Naam. Quant à dehors, je ne vois pas quel blanc elle mettrait. Naam. Car si c'est un djilbab, j'ai jamais vu un djilbab blanc. Si c'est un hijab, j'ai jamais vu un hijab blanc. Et comme ça. Naam. Donc, je ne vois pas de quel vêtement elle est en train de parler. Maintenant, si elle parle d'un pantalon blanc, ça c'est autre chose. Naam. Donc je ne sais pas de quoi elle est en train de parler, mais je dirai inshallah ta'ala, naam,
je dirai, inshallah ta'ala, quoi? Je dirai que si, naam, le blanc que va mettre la sœur, le blanc que va mettre la sœur, est une couleur attirante, naam, qui attire les regards, surtout les regards des hommes, et naam, ça devient une fitna, donc ça devient haram pour elle de le mettre. Naam. Si maintenant tout le monde a le blanc, ce n'est plus interdit. Tout le monde s'habille en blanc. C'est comme ça, naam, yani la règle générale. Mais si, comme c'est de nos jours, par exemple, naam, le blanc, yani, c'est quelque chose de particulier, quelque chose de vraiment attirant, dans ce cas, il lui devient interdit de le mettre pour ne pas attirer les regards des hommes. Car vous connaissez, l'une des conditions du voile, naam, l'une des conditions du voile, je veux dire par voile, c'est-à-dire djilbab, naam, c'est qu'il ne soit pas une beauté en lui-même, qu'il ne soit pas une parure en lui-même. Naam, Allah Azza wa Jal a'lam, naam. Tayyib, j'arrête ici, inshallah ta'ala. Je vais vous donner rendez-vous, inshallah ta'ala, pour... nous sommes quoi, lundi, mardi, mercredi, inshallah ta'ala, dans le dars de la aqida. Dans le dars de la aqida. Bi'idhnillahi Azza wa Jal, naam. Je vous laisse, inshallah ta'ala, fi hifdhih, naam, fi hifdhih. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous préserve.